Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer par Surface d'Olivier Norek. Donc, c'est un thriller. Noémie, l'héroïne, est flic, donc forcément. Et elle va traverser un drame à Paris et se retrouver catapultée au milieu de nulle part dans un petit village. Sauf que elle est là pour étudier ce qui se passe dans le commissariat et éventuellement le fermer, mais va ressurgir le corps d'un enfant du lac et forcément ben, ça va engendrer énormément de choses. Alors l'enquête est super bien menée, les personnages sont vraiment géniaux, j'adore la façon qu'a l'auteur de nous décrire leurs sentiments. J'ai beaucoup aimé ben, toute l'intrigue autour de ces découvertes et la façon dont le huis clos est un peu fait entre les personnages les uns et les autres et je dois dire que je n'avais rien vu venir. Pour la fin et donc les réponses à nos questions. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, pardon. On va continuer avec le premier tome d'Omer Pim, donc et le garçon du film de Anne Pichota et Sandrine Wolf. Alors, c'est un premier tome d'une série jeunesse que j'ai beaucoup aimé parce que le héros ne baisse jamais les bras. Il faut savoir que son père a disparu d'une manière subite du jour au lendemain, que sa mère essaye de montrer un visage plutôt positif, mais il sait bien qu'elle souffre. Et il va, grâce à ses amis, découvrir qu'il est capable de certaines choses et se retrouver ben, pris dans un bordel, pour parler poliment, pas possible, et comprendre que son père n'a pas vraiment disparu sciemment, et essayer de tout faire pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Donc l'amitié, la famille, ce sont des notions qui sont vraiment très importantes dans ce roman, et j'ai trouvé le tout vraiment super bien fait, je suis très curieuse de lire la suite. Ensuite, on va parler d'une romance. C'était pas censé se passer comme ça de Ève Borély. Alors j'aime beaucoup ce que fait Ève d'habitude et ce roman n'a pas échappé à l'adage. Donc il faut dire que les héros sont vraiment très spéciaux. C'est un petit peu foufou, c'est très marrant. Ils savent pas trop comment se comporter les uns vis-à-vis des autres. On va tomber dans une famille russe assez spécial et qui a des personnes qui ont des caractères vraiment très différents. Alors j'ai particulièrement aimé la grand-mère, forcément, mais les frères et sœurs, eux aussi, donnent beaucoup de leur personne et j'ai trouvé ça vraiment très mignon, surtout que les héroïnes, donc qui sont extérieures à cette famille, ben, vont devoir accepter certaines choses et j'ai une ronce qui me pique. Et elles vont devoir se lâcher un petit peu et accepter certains événements où elles n'ont pas prise dessus. Donc c'est franchement une super romance, c'est très mignon. Donc vous pouvez y aller sans hésiter. Ensuite un roman que j'ai vraiment adoré, donc Vie de chien de Laura Trompette. Alors il faut savoir que je suis quand même plus chien que chat, donc forcément l'histoire de Maëlle et de Tom m'a énormément parlé. Alors Tom est un bulldog qui bah, se retrouve suite au décès de sa maîtresse à la SPA. Et j'ai adoré honnêtement être dans la tête de Tom, tous les sourires qu'il nous apporte, la façon qu'il a d'essayer d'aider ses humains. Alors Maël, lui, est un jeune garçon qui va atterrir dans une famille d'accueil, donc la famille de Pierre qui a quasi son âge, et donc avec les parents, et ça va pas forcément se passer très bien avec Pierre, mais Tom va venir un petit peu tempérer tout ça. J'ai adoré tout le côté très humain de l'histoire, tout le côté comment dire, les rebondissements que découvre, que vit Maël, sa façon d'exprimer ses sentiments. Et j'ai été très très touchée par tout ce qu'ils vivent, par tout ce qu'ils nous font vivre avec eux. Et honnêtement, j'ai versé plus d'une larme à plusieurs reprises et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, on va parler d'un autre roman jeunesse, donc alors young adulte plutôt, puisque c'est Home Sweet Home de Antoine Filias et Alice Zeniter. Alors, ça se passe aux États-Unis en 2008, pendant la crise des subprimes, donc crise qui a vu un gros krach immobilier aux États-Unis, et des enfants donc, vont se retrouver plus ou moins livrés à eux-mêmes.
leurs familles sont totalement perdues et ils vont créer une petite communauté où ils vont s'entraider les uns les autres en essayant de rester sous les radars des adultes et donc en vivant plus ou moins en autarcie. Alors c'est vraiment super bien fait, super bien écrit. Les sentiments qui nous font ressentir sont vraiment profonds et on se demande réellement quelles auraient été nos réactions face à ce genre de choses. C'est un drame, évidemment, même s'il y a un petit côté positif qui ressort. Et on ne peut que être pris par tout ce qu'ils traversent, tout ce qu'ils doivent traverser, tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils vont encore traverser. Et l'amitié qui naît entre eux est vraiment super bien faite. Pour finir, donc, un autre roman young adulte, mais en science-fiction cette fois-ci, Je n'existe plus, de Béatrice Botté. Alors, c'est l'histoire de deux collègues qui, dans un futur plus ou moins lointain, vont arriver à voyager d'un monde à l'autre, d'une époque à l'autre. Et notre héroïne va essayer de faire quelque chose, participer à une expérience qui va mal se passer pour elle. Et elle va petit à petit disparaître. Et en fait, elle va essayer d'aller comprendre dans le passé comment elle peut disparaître dans le présent, donc aider de son associé. J'ai trouvé ça franchement addictif, on s'ennuie pas. Alors après, c'est un roman qui est pas très très long, puisque je crois qu'il fait, ouais, il fait 200, dans les 260 pages. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'amitié entre nos deux héros va jouer. Et du coup, puisqu'ils viennent du passé, ils vont revenir à notre temps, et même avant, pour essayer de comprendre où est passée la famille de l'héroïne. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. C'est très mignon, ça se lit tout seul. Et même si vous n'êtes pas fan de science-fiction et tout ça, honnêtement, c'est pas non plus quelque chose qui en déborde en permanence et où les héros passent au second plan. Voilà pour les romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!